Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. On est avec Calypso 53, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Et on est sur un jeu tellement épique qu'on a une excitation toute particulière, puisque c'est un jeu qui a bercé notre enfance. Totalement, Michel. Et là, on est sur le mode coop, donc on va un petit peu découvrir ça avec Thibaut de la Mayenne. C'est un peu une vidéo Pays de la Loire, parce que bon, voilà. Je suis de la Loire, Pays... voilà, t'as compris. Allez, on est parti. Il y a donc tous les graphismes qui ont été refaits, puisque c'est Ultimate Edition. Wow, oh, c'est les sales bêtes. Et il y a 5 nouvelles missions qui sont totalement exclusives, qui n'ont jamais été jouées par qui que ce soit. On est plutôt des bonnes. Ça va piquer un petit peu, je pense, là. C'est le moment où ça va faire mal. On va défoncer de la sale bête. Sale bête. Non, non, c'est bon. Il ne veut pas de mal. Là-haut à gauche. Non, mais il va rien faire. Comment t'as fait pour faire la petite galipette? Tu fais A. Champion de Mayenne 94. De la galipette. Champion de galipette à Laval en 92. Oula. Ok. Ils ont je les sens mal. Super sympa. Ah bah c'était ça les ratons laveurs. Oui, vous me sautez dessus. Les ratons laveurs finalement. Ah, là les ratons laveurs. Oh, ça fait tellement plaisir de revoir ce putain. Watch it. Reste pas devant, Bébert, je vais te blesser. Je recharge. Oh, qu'est-ce que c'est frais. Oh yeah. Oh, ça vient sur ma gauche. Oh, oh. Je suis arrivé un peu tard, hein, je t'ai laissé le faire. Le Desert Eagle. Il est toujours là. Comment on fait pour changer d'arme, celle-là? Les touches, oh, y a un petit fusil à pompe. Oh oui. C'est bon, t'as trouvé? Je vais mettre Deadshot. Attends, j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme arme. Ça, c'est quoi? Oh, regarde-moi ça, attends. Je sais un truc. Attention à toi, Thibaut. J'ai pas vu, c'est où? Ça. Oh. Putain, j'ai pas vu. J'ai paniqué. Ok, c'est parti. Ah. Ça m'a l'air pas mal ce que t'as trouvé. Ouais, j'ai appuyé sur un bouton. T'es rentré dans... Ah. J'ai lancé un générateur. Je ne sais pas à quoi il sert, mais... En fait, c'est... C'était un distributeur de boissons en fait. Ah ok. C'est tout. Attends, j'arrive. Ah. Voilà. T'avais oublié ta carte de cantine tout aussi, tu pouvais pas passer. Par contre, t'as une grosse bête qui tape là, ça me... Oui, oui, non, c'est stressant. Donc, ça fait flipper, hein, y'a pas de... Ah bah ok, voilà. j'ai trouvé la route. Là, les portes, elles galèrent à s'ouvrir. Ça a pas dû être ouvert depuis des lustres. Hein. Ça a pas été huilé, ça. Tu veux des missions? Arrête de faire des galipettes dans des endroits incongrus. Oh, t'es un bourrin. Boum. Oula. T'es un bourrin. Oula, 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 oula. Oh. Moi, c'est dégueulasse. On peut le dire. Bah, ça fait zizir, ce petit Gears des familles. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Attends, c'était quand? Je crois que c'était en 2006. Ça fait un moment, hein, que je jouais à Gears avec mes copains sur 3-6. Ça fait vraiment très longtemps, enfin, c'est toutes les émotions comme ça qui remontent. Le jeu est très beau, ça change, c'est-à-dire qu'en fait, alors dans ces cas-là, quand c'est un remastering comme ça, remastering, je sais pas si on se dit, mais ça se dit, mais on va dire que ça se dit, tu t'habitues très rapidement au très beau graphisme, et après quand tu reviens sur l'ancien, tu fais « Ah oui, ah quand même, ah d'accord !» Donc bah, hâte d'en voir plus, et puis en attendant, je vous fais des bisous, portez-vous bien, c'était un plaisir de faire ça avec Calypso. Là, il est en train de faire une interview, parce que comme moi, bon, tu vois, on fait des interviews, c'est beau quoi ça. Allez, au revoir.